الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم أتي الله أتي الرسول والأولي الأمر منكم تركاتنا صبر والقدم في الجمعية قدم شون وشبانت دستور مدد يا سلطان الأولياء شيخ محمد نازم دستور مدد مدد الحق كنت متصرف أتي الله أتي الرسول والأولي الأمر منكم Charles Nakhchouban nous rappelle dans ses enseignements que notre chemin est sur le compagnonnage. Le compagnonnage de cœur et sur ce compagnonnage, alors, se manifeste un secret particulier. L'éducation spirituelle telle que les prophètes l'ont enseigné, et ils sont les détenteurs du protocole ultime, la révélation. Il se fait sur une discipline du serviteur. Cette discipline inclut donc Shariatullah, des règles. Taskiyat al-Nafs, une discipline interne, un combat de l'ego, se définit sur, le fait de suivre. De suivre prédécesseur et de tenir une main. Et dans manifestation de l'éducation spirituelle, les prophètes, les sages, les maîtres ont enseigné à des disciples, ont été leurs compagnons et les disciples ont gardé un compagnonnage les uns envers les autres. Car il y a dans ce compagnonnage un boost sur l'éducation spirituelle. Il y a dans ce compagnonnage, lorsque l'alchimie s'installe entre les cœurs, il y a alors dans ce compagnonnage une source d'accomplissement, une source de perfectionnement, une source de découverte, une source le serviteur se découvre à travers les autres. Le serviteur se regarde à travers les autres. Le serviteur s'élève à travers les autres. Le serviteur s'accomplit à travers les autres. Et c'est pour ça que les prophètes, les maîtres, les sages ont toujours enseigné cette dimension de la communauté, de la fraternité. Et aujourd'hui, nous sommes dans un temps des plus étranges. Mais nous sommes dans notre temps. Et chaque temps, il a son ijtihad. Chaque temps, il a sa manifestation. Un homme est venu voir Sénarali Karmala Washanka. He came to see Sénarali and he was complaining about his son. That the son, doesn't obey him and doesn't follow his way. The son, yani they have inheritance, and like we all have, we had with our parents and with our children, same story. It's no new since the time of Sayyidina Adam alayhi salam, yes, with Sayyidina Abil and Kabil. Yes. Alors, il,
il ne sait plus. Mon fils ci, mon fils ça, et c'est Nali. Il a fait venir le fils, après il a dit au père, c'est toi le problème. You are the problem, not yourself. Allah created you for one time and you for another time. He's your son for another time. Your time has its protocol, his time has its protocol. Why you want to change Allah's will? His time is not your time. Ça c'est entre deux générations du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que dire aujourd'hui? Si on regarde la génération de nos enfants et on regarde la génération de nos parents ou celle de nos grands-parents, comme si on vient dans notre monde. Et eux, ils viennent dans notre monde, une planète quelque part perdue dans la galaxie près de chez vous. Et nous, on est les humanoïdes d'aujourd'hui. Jib. So much big difference between our grandfather and our children. Ajib, like two different worlds. Still, deal as a reality to address all of them. Allah Azza wa Jal n'a pas créé quelque chose dans les principes, il n'a pas créé quelque chose qui est rigide et contraignant. Là, il n'y a pas cette obligation qui est une contrainte excessive. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait toujours la religion, c'est la facilité. Il faut le voir comme ça. Dans la manifestation divine, il y a quelque chose de naturellement organique, qui est vivant, qui fluctue avec tous les intrants, aussi nombreux qu'ils soient. If what is manifested is every moment is influenced by everything. That's a link that Allah put in creation. Orlana Sheikh used to tell us, il nous disait, Orlana Sheikh Nazim Kadassar, quand tu sors et que tu avances et que tu as l'impression que tu es unique, tu avances, tu rentres chez toi, tu traverses une foule, tu rentres chez toi. Il a dit, tu ne vois pas l'infinité de connexions qui passent sur ton chemin. Pas simplement des connexions éphémères et temporelles, des connexions, des liens qui altèrent tout ce que tu es. Si on regarde, c'est intéressant parce qu'on est dans un siècle de technologie. Technology is giving us a hint. Sometimes you open your phone and you are looking for a wireless. You can see there is 30 wireless connections available. Everyone is broadcasting. If you are in a building, vois, parfois tu es dans un immeuble d'appartement et tu vois, quand tu essayes de connecter ton n'importe quel appareil, tu vois qu'il y a tellement de connexions autour. Il y en a qui apparaissent, il y en a qui disparaissent. Ça, c'est juste quelques devices, quelques bébelles de silicium, du sable, dans lequel on a réussi à comprendre comment assembler ça et on fait circuler de l'information. Et il y a ce qu'on appelle, les appareils se parlent. S'ils ont une autorisation, ils commencent à connecter. L'humain, à quoi il connecte? Qu'est-ce qu'il transmet? Qu'est-ce qu'il reçoit?
human, Prophet sallallahu alayhi wa sallam said about human, his reality is so vast. La réalité de l'humain, si vous prenez ce monde manifesté et vous le mettez dans la réalité d'un humain, et il va disparaître comme la balle que vous avez jetée dans le désert. When you are taking, Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, when you are taking a human being, and if you are going to take all this universe created and you will put into his reality, not in what is physical manifestation, no, his reality, the whole dunya will disappear in it, like a ring you throw in the desert. This is human being, Hadrat Insan, about whom Allah Azza wa Jal said, nothing can contain manifestation of Allah Azza wa Jal. Nothing, nor heavens, nor earth, but the heart of that being, of the believer. Means the heart that went through a process of cleansiness, of cleaning, and of opening, and of rabita, of connection. And cette manifestation de la présence divine peut se manifester dans l'humain. Et c'est pour ça, Cheikh Mohideen, il disait, Cheikh Mohideen ibn Arabi, ce maître d'Andalousie, l'humain qui respire sur une respiration de l'humain, il y a un phénomène que l'humain ne voit pas et ne comprend pas. Quand il respire, sur une respiration, c'est un mouvement physique. C'est un mouvement, comme dans toute physicalité de l'humain, qui est une manifestation d'une réalité. When human breathe, it's physical. But breathing, when you say it's physical, it's a manifestation of something else, like the heart. Talbot Mu'min Baytullah. The heart of the believer is the house of Allah. Which heart? Piece of flesh? Not this piece of flesh. This piece of flesh, when the breathing stops, it will get rotten quickly. If you leave it by itself, you see ugly things coming out of it. It's our bad manners, these worms. This cannot be the house of God. But what is the heart? C'est quoi le cœur? C'est pas cette entité physique. C'est une autre chose, c'est une manifestation, c'est une réalité qui habite l'humain. Et donc, tout ce qui est dans l'humain est une représentation d'une réalité. Et sa respiration représente une réalité de son être. Lorsqu'il inspire, l'humain ouvre son être et fait rentrer dans son être, sur chaque respiration, il absorbe de ce qu'il y a autour. Et Cheikh Mohideen ibn Arabi disait, lorsque l'humain respire, sur une respiration, ce n'est pas simplement sa cage thoracique qui s'expand, c'est toute sa réalité spirituelle qui s'ouvre. Et cette respiration est une... une symbolique, comme le battement de cœur est une symbolique. Il donne, il est le cœur de toute chose, il donne la vie, il est l'antre de l'humain.
La respiration, lorsque l'humain inspire, il va en expansion et tout ce qui existe, alors sa réalité se déploie dans tout ce qui est en existence. Et quand il expire, alors il revient en contraction, imprégné de cette réalité. So he explained how human, just with one breathing, his whole reality gets in expansion. His layers of his soul get in expansion and get open to everything created. And when your breathing is inverted and you expand, you enter back in contraction. At every moment, you expand and you contract. You expand and you contract. You expand and you contract. And everything in existence, from one breathing to the other, is different. Everything is, the manifestation of everything has changed. Not by its, it has changed through its own nature. But it has changed mainly because Allah Azza wa Jal is waving endless tajalli on all creation. So, la manifestation d'Allah Azza wa Jalla sur chacune de ses respirations, lorsque l'humain s'ouvre à tout ce qui est créé reçoit des manifestations divines. Et lorsque l'humain revient en contraction, alors il est imprégné de tout cela. On prend alors, quand Allah Azza wa Jalla dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa laqad karamna bani Adam. Et on a privilégié les enfants d'Adam. Et de quel privilège? What is this privilege? Allah Azza wa Jalla called all angels, in all heavens, in all creation, all the angels, those you can understand about, those you cannot understand about, to say, I am presenting you my deputy. Oh. Who will think this deputy is? Mr. Trump? This is a parody, it's a caricature of humanoid. It's a manifestation of something. I was looking for a strange character, it came to my mind. No offense to him. He's miskin, we say miskin. Poor Mr. Trump. One day breath will go away and you will come like every other human to reality. And what you will say, oh my Lord, give me back my soul one moment. Now that I see it and I understand. So celui qui a été honoré dans la présence divine, c'est Naadam alayhi salam. Allah Azza wa Jalla dit, nous l'avons honoré et qu'il a convié tous les anges pour présenter l'humain. Cet humain, c'est certainement pas ce que nous avons comme manifestation. Alors quel est cet humain? Quel est cet humain dont on nous parle? Si c'est pas ce que nous sommes manifestés ici. Certainement c'est autre chose. C'est la réalité de Dieu. Et c'est cette réalité-là sur laquelle nous devons connecter. Nous devons comprendre. Nous devons comprendre que nous avons perdu la connexion. Parce que l'outil de connexion, le cœur,
Il n'est même pas capable de scanner une transmission Wi-Fi qui est juste là. That's our heart today. Cannot even connect to a Wi-Fi transmission next door. How it's going to connect itself to endless wave of light, wave of reality, wave of tajalliyat that are coming and that are everywhere. This world is the seen world. What about the unseen? What we don't see? How many dimensions? 1, 2, 3, 4, 5, 10, a billion? Why not? Allah, il peut, au-delà de toutes les attentes, de toutes les compréhensions, he can do as he likes. Mais qu'est-ce qu'il y a qui émane que, auquel nous ne connectons pas? Il y a une réalité absolue. That's why prophets, and among them, Fakhrul Kainat Abdul Salatu Wassalam, they were chosen to remind us, to guide us, because this whole life is a divine scenario for human to comprehend something, for human to taste something. So if we don't get this connection and this meaning and this reality, what is the purpose of Deen? C'est quoi la finalité et la nécessité de la religion si elle ne nous connecte pas? Ce qu'il nous enseigne aujourd'hui. La religion, c'est devenu du fiqh. Écoute les discours des imams, c'est ça c'est halal, ça c'est haram, ça c'est du kouf, ça c'est du shirk. Ça, tu dois mettre la longueur jusqu'ici, ça, tu dois mettre la longueur jusque-là, ça, tu as le droit de faire ça, ça, tu n'as pas le droit de faire ça. C'est de la petite technicalité de jurisprudence. C'est ça qui va connecter l'humain à sa réalité. Mais comment on a perdu le chemin? Et on ne se pose pas la question. On lit à propos des prophètes et des messagers. On regarde leur accomplissement, c'est à couper le souffle. On lit à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne comprendrait même pas l'ABC de ce qu'il est. Mais de ce qu'on peut dire, c'est à couper le souffle. On lit à propos des maîtres, des sages, des accomplis, des awliya, sahaba al-kiram, radhiyallahu anhu, c'est à couper le souffle. Pourquoi il y a de telles manifestations et il y a nous? Il est où le problème? Human is about something else. Prophets, they came to teach us, to connect us, to show us what human will achieve when he become Rabbani. And that's how we saw Sahaba al-Kiram, radiallahu anhu arda, how they became perfecting themselves and connecting to the reality. And then after them, Awliya Kiram. Don't underestimate them. So what is wrong with Muslims today that we are not connected to that reality? And the deal we are having is about technicality. We cannot even hold ourselves from doing bad things. And everything became about that. Because we are in the era of Nafsul Amara Bisu. The time called Akhir Zaman. C'est notre temps. Les derniers jours. L'hégémonie de l'ego. Mais, même pour l'hégémonie de l'ego et son temps, Allah Azza wa Jal, il a une manifestation qui est capable d'atteindre l'humain et de l'amener à sa destination. Mais aussi, faut-il le vouloir? And that's what we are missing. We have no will, no willpower. May Allah Azza wa Jal enlighten us, guide us, open our heart, and our reality. Amen.
un beau peuple à avoir un destin. Nous demandons d'être élevés dans cette ouverture de la compréhension et qu'elle soit manifeste, qu'elle nous touche et qu'elle nous permette de transcender notre immédiateté, notre petitesse. Par l'honneur de la couronne des croyants, il a halatina bil fatiha.